Cette vidéo est la deuxième partie d'une autre vidéo postée la semaine dernière. N'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Un autre très gros morceau qui m'a occupé pendant tout le printemps, c'est Fallout 3 de Bethesda, sorti en 2008. Alors, vous devez connaître, hein, moi j'avais déjà adoré les deux premiers Fallout, ceux qui jouent en 3D ISO, vous voyez. Parce que j'adore l'univers, les musiques, tout l'esthétique du jeu, le monde post-apocalyptique avec... teinté de culture des années 50. Et là, donc pour le Fallout 3, ils ont un petit peu changé la formule. C'est à la première personne et c'est à moitié entre un FPS et un RPG, parce qu'en fait on peut jouer façon FPS si on veut, que ce soit avec des armes blanches ou avec des armes à feu, mais on peut jouer aussi en fait on appuie sur une touche du clavier et ça va, on a le Pip-Boy, vous savez, le l'espèce d'ordinateur de poche, l'assistant de poche des personnages dans l'univers de Fallout, et ça va scanner l'ennemi, et ensuite on peut cliquer sur la zone sur laquelle on veut tirer, et selon les aptitudes de notre héros, sa force, sa perception, l'arme qu'il a, selon s'il est il manie bien cette arme ou pas, on a un pourcentage de chance de réussir ou pas. Par exemple, si on tire dans la tête, on peut faire un coup critique, la tête peut exploser, etc. J'adore cet univers, j'adore ce jeu. Mais mon gros souci dans ce genre de jeu, c'est que c'est ce que j'appelle la maladie du loot. C'est-à-dire que chaque ennemi qu'on tue, chaque maison qu'on visite, chaque petit bâtiment qu'on visite, il va y avoir des objets à récupérer. Alors il peut y avoir des trucs intéressants, des objets de soins, des drogues qui vont rendre notre personnage plus puissant, ou des armures, des armes. Mais il y a aussi des... toutes sortes de babioles. Jusqu'au petit livre cramé qui n'a plus aucun intérêt. Et moi, comme je veux avoir vraiment le meilleur équipement, être le plus riche possible, je vais passer mon temps à ramasser des merdes, à avoir mon personnage en surcharge, et je passe mon temps à faire des allers-retours avec ma maison, parce qu'on peut avoir une maison si on fait des bonnes actions, etc. À vider mon inventaire, à faire du commerce. Voilà, donc au bout d'un moment, je me suis dit, arrête de faire ça, repart sur la quête principale. Et bah, la quête principale, alors autant j'ai fini le jeu, alors j'ai joué 40 heures, j'ai mis. Donc j'ai fini la quête principale, mais j'ai fait énormément de quêtes annexes. Vraiment quasiment tout le plus gros des quêtes annexes, je les ai fait. Mais sinon, si on fait que la quête principale, bah le jeu, je pense qu'en 12 heures max, on le finit. Mais je pense qu'on n'a pas le niveau pour le finir. Si on ne fait pas les quêtes annexes, on ne sera pas à niveau, on va se faire ratatiner. Parce que les ennemis, ils deviennent bien coriaces au bout d'un moment. C'est aussi le jeu qui m'a fait pas mal des sursauts comme ça, parce qu'on se balade dans un supermarché désert, et d'un coup on entend pan, et en fait il y a un super mutant qui est derrière nous avec un minigun, et là faut réagir vite. On peut avoir des compagnons, on peut avoir un chien, on peut avoir des alliés, énormément d'équipements, du craft. Alors là, il y a des armes. L'arme qui m'a fait hurler de rire, et c'est très dommage parce que je l'ai eu qu'à la fin du jeu, on a une espèce de gros flingue qui tire des clous de chemin de fer. Et donc on tire vraiment dans la tête comme ça, le mec il se retrouve planté dans le mur, il peut plus bouger, il est mort. Et l'arme a fait tchou tchou quand on a tiré. Il y a des armes assez farfelues, il y a un truc qui s'appelle le shish kebab, c'est un espèce de grand bâton de fer comme ça, enflammé, on fout le feu aux ennemis. On peut tirer des fléchettes avec du poison de scorpion dedans. Et le mec, il se retrouve paralysé des jambes. Il se retrouve paraplégique. Alors l'histoire, on est le fils d'un scientifique qui a quitté l'abri où on vit. Parce qu'on vit dans un abri antinucléaire. Et on part à la recherche de notre père. Et on va se rendre compte qu'il y a une espèce de complot mondial, politico-scientifique, etc. Et on devra résoudre ce problème. La quête principale, je vous dis, si on la fait en ligne droite, elle est vraiment pas longue. Je m'en suis occupé qu'à la fin. Je me suis dit, waouh, ouais, j'ai encore plein d'heures de jeu. Pour finir, je l'ai fini très vite. A noter que j'ai joué à la Gold Edition Game of the Year, ou bien je sais plus. Et donc, il y avait les DLC avec. Et j'étais pas parti pour faire les DLC, sauf que j'en ai fait un par inadvertance. J'ai fait Opération Encourage. Je savais pas que c'était un DLC. En fait, il y a quelqu'un qui m'a proposé une mission, j'ai dit oui. Et en fait, mon personnage a été envoyé avec un casque de réalité virtuelle. Il a été envoyé à l'époque de la Troisième Guerre mondiale, si je dis pas de conneries, qui opposait les États-Unis à la Chine. Et ce DLC, je l'ai trouvé chiant à crever.
parce qu'en fait on perd tout l'aspect de Fallout, tout l'aspect monde post-apocalyptique, survie, etc. En fait là c'est quasiment un FPS avec le moteur de Fallout, dans lequel on joue un soldat américain qui se bat en Alaska contre la Chine pour les dépôts de pétrole. En plus il dure genre 5 heures le DLC, moi je me dis oh, mais c'est quand qu'a fini la mission, et je ne pouvais pas revenir en arrière, je pouvais pas revenir à ma partie normale, ça a duré 5 heures. C'était pas très intéressant, c'était on était un espèce de sergent, on continuait notre escouade et on devait réussir des objectifs, débloquer tel dépôt de munitions, atteindre la tour radio, faire péter des canons. J'ai pas trouvé ça intéressant, on aurait dit un FPS des plus classiques. Et par contre, après ça m'a débloqué énormément d'équipements dans le jeu, et là après j'étais le roi du pétrole, après j'étais vraiment équipé de ouf. Et c'est là que j'ai pu me lancer pour finir le jeu. Donc je vous le conseille vraiment, si vous aimez même la science-fiction, tout ce qui est un peu post-apocalyptique, le jeu est très agréable à tout point de vue, beaucoup de personnages charismatiques, beaucoup de dialogues. Il y a un choix, des choix moraux où on peut être gentil ou méchant. Moi j'avais un perso très gentil, ce qui fait que les enfants dans le village où je revenais là, à Megatown, les enfants venaient m'offrir des bonbons, etc. à chaque fois qu'ils me voyaient, tellement j'étais un saint, quoi. Par contre, j'ai pas fait les autres DLC. Petit truc à noter tout de même, c'est Bethesda. Bethesda, ils sont connus pour faire des bugs insupportables. Et c'est encore le cas ici. Alors, j'ai une mission qui m'a bien énervé, dans laquelle je devais aider une fille à sortir avec un gars et ils devaient se marier. J'étais invité à leur mariage. Le mariage, j'ai dû perdre 3 heures à essayer de toutes les manières possibles à recharger ma sauvegarde. Le mariage ne s'est jamais déclenché. Ça m'a bien vénère. Et autre chose, alors là c'est inacceptable, sachant que c'était la Gold Edition avec toutes les meilleures mises à jour, tout ça. La mission finale, c'est un truc de fou. Bon, je vous spoil un peu, il y a un espèce de grand mégazord, d'un grand robot qui dit « Meurtre aux communistes !» et qui avance comme ça en tirant des lasers. J'ai dû recommencer 3 fois la mission finale, parce que le robot s'arrêtait de bouger. Il était planté. Je devais relancer ma sauvegarde. Alors, pour un jeu, une édition qui est sortie quelques années après, soi-disant avec les meilleures mises à jour, les patchs correctifs, faire que la mission finale, vraiment celle qui permet de terminer le jeu, soit buggée, c'est quand même assez honteux. Mais je vous conseille le jeu, il y a énormément de contenu, de craft, d'armure, de personnages à qui parler, de choix, on peut jouer une fois méchant, une fois gentil, on peut faire un personnage, c'est un gros bras, on peut faire un personnage qui joue dans la finesse, qui va derrière et qui essaie de voler des objets. Exactement comme Skyrim, mais dans un univers post-apo. Ensuite, j'ai fini Les Experts Complot à Las Vegas sur Wii. Alors, c'est une suite de 3 jeux qui sont assez similaires, qui ont été faits par Ubisoft, il me semble, sur la Wii et les autres consoles de l'époque. C'est à moitié entre du point and click et de l'enquête. En fait, il y a un crime qui se déroule, on vient enquêter, ramasser des pièces à conviction, des indices sur le lieu du crime, on interroge les suspects, on analyse les preuves via différents mini-jeux qui sont pas spécialement très réussis, je vous en reparlerai après. Ensuite, on interroge le suspect, on essaie de demander un mandat pour le faire venir, etc., avoir son échantillon. S'il ment, on doit lui apposer la preuve comme ça, tu mens, un peu objection, vous savez. Et ensuite, l'enquête progresse comme ça jusqu'à avoir arrêté le vrai suspect, voilà, avec un mandat d'arrêt. Le gros point fort du jeu, c'est son histoire. Ils ont engagé des scénaristes, je sais pas si c'est ceux de la série ou si c'est des autres spécialement pour le jeu, mais en tout cas l'histoire c'est très réussi. Plusieurs fois on va se dire, ah tiens mais c'est lui c'est sûr, il a laissé une trace de poste sur le lieu du crime, il y avait un mobile, c'est sûr c'est lui. Et en fait non, on va être surpris, ça ferait des bons épisodes de la série télé, c'est bête à dire mais c'est vrai. Il y a des histoires qui sont assez rigolotes, notamment, est-ce que je vous spoil ou pas? Allez, je vous spoil pour le bien, pour vous donner envie de jouer à un de ces jeux, parce qu'il y en a 3, hein, qui sont assez similaires sur la Wii. En fait, il y a un moment, il y a une fille, c'était l'héritière d'un casino, et ses frères et sœurs étaient jaloux, etc., de l'héritage. Et en fait, elle a été tuée, et un an avant, elle avait un accident de voiture, elle avait été gravement brûlée, elle peut plus parler, elle peut plus marcher, il y avait plus que son pouce qui fonctionnait pour sa pompe à morphine, en fait. Et elle va taper le code en code morse, elle va taper le nom de son meurtrier. Et c'est comme ça, en analysant son boîtier, parce qu'elle a un boîtier pour sa pompe à morphine, en code morse, on va trouver le nom de l'assassin. Alors comme je vous disais, il y a des mini-jeux
qui sont pas spécialement intéressants, notamment pour analyser l'ADN ou les substances chimiques. On doit faire correspondre deux échantillons. Alors, c'est des espèces de séquences de couleurs qu'on doit faire correspondre... des séquences, en fait, on doit les poser pour les faire correspondre à un autre schéma. Alors, des fois, on se prend la tête pendant 5 minutes, alors là, ça passe. Et en fait, on se rend compte qu'au final, on peut jamais compléter le puzzle, parce que c'est pas le bon suspect. Ils auraient pu trouver quelque chose de plus agréable, de moins rébarbatif, surtout qu'on va le faire... Les analyses ADN et les analyses chimiques, on va le faire énormément de fois dans le jeu. Alors, il y a les personnages de la série télé... on les reconnaît, c'est pas spécialement beau, c'est pas spécialement moche, c'est dans la moyenne des jeux Wii de l'époque, je pense. On est l'assistant plus ou moins d'un des experts de la série télé, on peut lui demander des indices, il y a aussi notre coordinatrice qui nous envoie des indices, mais deux fois sur trois les indices ne servent à rien. C'est aussi le genre de jeu où il faut vraiment scruter tout l'écran. Dès qu'on a récupéré une preuve, il faut la retourner dans tous les sens, voir si on n'a pas laissé une trace de sang ou une trace de terre, parce qu'on peut se trouver, et c'est du vécu ce que je vous raconte, on peut se retrouver vraiment trouvé bloqué une heure et demie à cause d'un cheveu qui était coincé dans un rideau et on l'avait pas vu. Pour les fans de la série télé, allez-y, franchement c'est sympa. Pour les gens qui sont fans de séries d'enquête, allez-y aussi, parce que l'histoire est vraiment bonne. Ils ont pas fait ça à moitié. C'est plutôt cool, mais attendez-vous à avoir des mini-jeux un peu chiants et vraiment de devoir scruter tout l'écran, parce que si vous vous retrouvez bloqué, partez directement chercher la solution. Ça vous apportera rien de plus de scanner l'écran pendant une heure juste pour trouver un cheveu, quoi. Là, on va passer rapidement sur certains jeux que j'ai fini mais dont je vous ai déjà parlé, ou bien des jeux qui méritent pas que j'en parle énormément. Alors, j'ai aussi fini Koh-Lanta sur la Wii cette année. Je vous en parlerai pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo qui a fait barrer beaucoup de monde apparemment. Je l'avais sorti le soir de la finale de Koh-Lanta. Par contre, j'ai fini Fort Boyard sur Wii. Pareil, c'est un jeu Mindscape comme Koh-Lanta. Ça se finit très très vite. Hein. Dans une soirée avec des potes, on l'a fini en moins de 2 heures, je pense. Alors, point fort, il y a beaucoup d'épreuves qui sont de l'émission télé, des vraies épreuves. Et deux gros points faibles, il y a des bugs insupportables, c'est pire que dans Koh-Lanta. Il y a vraiment une épreuve, l'épreuve de la balançoire, vous savez, on doit se balancer de plus en plus pour choper l'indice. L'épreuve ne marche pas. La Wiimote arrête de réagir pendant cette épreuve. Je me demande si on n'a pas changé les piles. On s'est dit qu'il y avait un problème dans mon Nunchuk. Et en fait, quand on va voir sur jeuxvideo.com, y a plein de gens qui ont eu le même problème pile à cette épreuve-là. C'est juste que l'épreuve, elle est codée avec le cul. Et ils l'ont sorti comme ça parce que c'est Mindscape. Et Mindscape, ça sortait des jeux à la chaîne pour rentabiliser des licences d'émissions télé. Deuxième gros point faible, le jeu est moche. On est sur de la Wii. On n'est pas sur de la PS1 ou de la Nintendo 64. Les personnages, ils sont tout anguleux. Ils ont des yeux à faire peur. Il y a même pas Olivier Mine dans le jeu. Il y a le père Fouras quand même. Mais il n'y a pas Olivier Mine. Par contre, il y a les vraies musiques de l'émission télé. Et vu que il y a les vraies épreuves aussi. Enfin, il y a une grande partie, c'est les vraies épreuves. Il y a moyen de s'amuser. Je le mettrai un petit cran en dessous de Koh-Lanta. C'est-à-dire, on peut s'amuser. Mais autant qu'on entend, il y avait des trucs qui avaient l'air d'être pas très bien codés. Autant dans Fort Boyard, c'est encore pire. Et autre chose qui est assez chiant, c'est que apparemment, si on veut faire... parce que c'est que des mini-jeux, en fait. Hein. D'ailleurs, certains mini-jeux sont un peu crétins. Il y a un jeu contre l'homme fort où on doit pousser une barre, vous savez, pour pousser l'homme fort. Il y a des mini-jeux, c'est crétin. Il suffit de secouer comme ça, en boucle. Pas besoin d'y aller fort, hein. Faut juste secouer comme ça, de manière constante. Et puis ça dit, bravo, vous avez gagné. Il y a des mini-jeux assez nuls, comme ça. Il y en a qui sont un peu plus complexes, notamment on doit faire tourner un anneau, comme ça, sans toucher un fil électrique. D'ailleurs, si nos personnages se retrouvent prisonniers, il y a une espèce de labyrinthe à la FPS où on doit trouver la sortie. C'était assez chelou, assez perturbant à jouer en plus à Wiimote Nunchuk. Et ensuite, contre les maîtres du temps, il y a les vraies épreuves avec les billes, avec où faut garder le truc tendu, avec le coup de marteau. Ça, c'est cool qu'on retrouve les vraies épreuves de l'émission télé.
Par contre, bah, y a certaines épreuves qui sont inintéressantes et surtout il y en a qui sont vraiment très buggées. Alors si vous y jouez, jouez pas seul, jouez-y une soirée entre potes, vous allez rigoler un peu. Tout seul, vous allez vous faire chier, vous allez vous énerver parce qu'il y a des épreuves qui sont vraiment pas possibles à faire. Un jeu que je n'ai pas fini, pour le coup, c'est Lost in Blue 3 sur Nintendo DS. Alors Lost in Blue, c'est une longue série de jeux vidéo de Konami qui est pas très connue en Europe en fait, c'est des jeux de survie sur une île déserte. Le premier, c'était Survival Kids sur Game Boy Color, qui s'appelle aussi Stranded Kids en France, il me semble. C'est de la survie sur une île déserte. Donc on échoue sur une île déserte, on se rappelle vaguement qu'il y a eu un accident, quelque chose. Et on devra se débrouiller à ramasser des coquillages, des poissons, des noix de coco. Faudra trouver de l'eau, faudra réussir à faire du feu. Et donc au départ c'est assez répétitif et le jeu va rester même à une certaine mesure très répétitif. Ensuite on rencontre une fille sur l'île et la fille nous connaît mais nous on se rappelle plus d'elle. Alors cette fille on se dit super, enfin c'est pas être misogyne dans le jeu hein, mais j'utilisais vraiment les autres personnages, fille ou garçon, parce qu'on peut avoir jusqu'à 3 compagnons dans l'aventure, pour les tâches subalternes. Faire la bouffe, chercher du bois, chercher à manger dehors. Je les utilisais pour les tâches subalternes, sauf que ils ont une autonomie très très limitée, ces personnages. Alors dans le premier Lost in Blue sur Nintendo DS, on rencontrait une fille et on marchait sur ses lunettes sur la plage. La fille était est myope, quasiment aveugle. On devait tous les jours aller la porter au point d'eau pour qu'elle boive. Ça se comprend. Là, ils ont des bras, des jambes, ils ont des yeux, mais on devra quand même tous les jours, si on n'a pas de citerne, aller les amener au point d'eau. Pareil, si on fait pas à manger, on peut leur mettre de la nourriture dans leur inventaire, mais c'est assez limité. Si on fait pas de la cuisine, ils vont pas eux-mêmes manger. Ils peuvent faire certaines tâches comme garder le feu allumé, mais de temps en temps, le feu il va s'éteindre, on saura pas trop pourquoi. Les personnages rendent le truc encore plus répétitif parce qu'autant on doit subsister à nos besoins, autant on doit subsister aux leurs. Donc tous les jours, il y a une espèce de routine. On les prend par la main, on va les faire boire, on le ramène, on va prendre le deuxième, on va lui faire boire, on le ramène, etc. Ensuite, on fait à manger, on dit « toi va chercher du bois, toi va chercher à manger, toi va chercher de l'eau ». Et au final, il nous reste un petit bout de la journée pour explorer et avancer dans le jeu, ramasser des matériaux qui vont nous permettre de crafter des trucs, ou bien explorer pour trouver d'autres endroits, parce qu'en fait, il y a un mystère qui se trame sur cette île. D'ailleurs, il y a un des personnages qu'on rencontre qui est très hostile. On se rend compte qu'on a un jumeau, mais y a une expérience scientifique sur l'île. Enfin, il y a quelque chose qui se trame. Mais on avance vraiment par petits bouts. Au départ, je me disais, je pourrais peut-être vous le faire en let's play ce jeu. Mais vous allez péter les plombs parce qu'en fait, la moitié de mes épisodes, ce sera la même routine dans laquelle je subsiste aux besoins vitaux de mes compagnons et des miens. Et je leur donne des ordres. Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste un peu de temps. Hop, on part explorer, on passe ramasser des cordes, tout ça. Alors, pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce jeu? Pourquoi je l'ai pas fini alors que je suis arrivé à la toute fin? Tout simplement parce que je jouais sur cette console, hein, cette console qui émule très bien la Nintendo DS, et j'avais un stylet pour l'écran. Vous savez, c'est pas les stylets en plastique dur, c'est les stylets qui fonctionnent comme le doigt. Hein. Et mon stylet a craqué. Et il y a des espèces de mini-jeux, des mini-crafts à faire dans le jeu. C'est super compliqué à faire avec le doigt. D'ailleurs, ils auraient pu se passer parce qu'à un moment, on doit crafter un radeau ou crafter des meubles. C'est super chiant à faire. C'est vraiment en poil de cul. Et si on se loupe, il faut recommencer. Et en fait, faut aligner. Il y a des espèces de jauges qui bougent comme ça. Faut la taper en bon moment pour accrocher les bouts de bois pour faire un radeau, etc. C'est assez pénible. Et je me suis dit que j'aurais pas le courage de le faire. Avec le doigt. Du coup, j'ai commandé des stylets sur AliExpress depuis le confinement, mais ils sont toujours pas arrivés. Donc, je le finirai peut-être. Je vous en reparlerai pas plus. Hein. Je suis vraiment à la toute fin du jeu. Je dois ramasser des fusibles. Je suis arrivé dans une espèce de station scientifique abandonnée. Je dois ramasser des fusibles, etc., pour souder des portes et ensuite m'échapper. Je sais pas trop comment je vais m'échapper, mais voilà. Donc, c'est un jeu de survie pour les gens qui aiment un peu tout, qui est survie, Koh-Lanta, île déserte. Ça peut être sympa, mais sachez que le jeu va être très répétitif et ça peut vous décourager au bout d'un moment. Et l'histoire, après, elle casse pas spécialement des briques. Il y a des trucs qui sont un peu rigolos, genre on doit appuyer sur les gâchettes comme ça pour frotter le bout de bois pour faire le feu. Ensuite, on doit souffler dans le micro.
Il y a plein de petits mini-jeux. On peut soit on peut demander à nos compagnons de faire la cuisine, soit on peut le faire nous-mêmes. Il faut retourner les trucs pour les faire cuire. On peut couper sur une planche. Il y a plein de petits trucs un peu rigolos. Mais c'est beaucoup trop répétitif pour que je puisse véritablement vous le conseiller. Et le dernier jeu que j'ai fini, je vais pas vous en parler plus, hein, c'est spoiler alert. C'est un jeu que j'ai fini en une heure ou deux, c'est un espèce de jeu de plateforme, de runner qui se joue à reculons. Notre personnage recule parce qu'en fait, on commence, le jeu vient de se terminer et on va se refaire tout le jeu à l'envers en évitant les paradoxes spatio-temporels. Je vous en parle pas plus que ça pour la simple et bonne raison que j'ai déjà sorti une vidéo. Et si vous l'avez pas vu, allez la voir. En tout cas, j'espère que mes petites anecdotes, mon humble avis sur ces différents jeux vous a plu. Je suis un rétro gamer plus qu'un gamer parce que vous voyez, il y a un jeu de 2018, un jeu de 2019 et encore c'est des jeux indés, il n'y a pas de triple A. J'espère que je vous ai appris des trucs et que je vous ai peut-être donné envie de jouer à certains jeux. Et je vous ferai une autre vidéo comme ça certainement à la fin d'année 2020 pour parler des jeux que j'aurais fait pendant le deuxième semestre 2020. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt !